dans une, une opération globale euh, qui a été initiée euh, dès les années 99 et euh, qui a pris euh, beaucoup plus d'ampleur en 2016-2017 lorsqu'on a restauré l'enveloppe, c'est-à-dire les façades euh, et les couvertures, dans le but euh, de, de faire une, une maison des illustres, donc une maison des illustres qui, euh, qui vise à euh, reconnaître l'œuvre de Louis Majorelle et euh, le mouvement Art Nouveau de l'école de Nancy. Donc c'est la conservation, ça permettait de faire la conservation et la sauvegarde, non seulement des décors intérieurs, mais également des collections, conservé au musée d'école de Nancy euh, qui euh, pouvait euh, revenir euh, dans la maison euh, c'est également la mise en valeur d'un espace intime euh, d'une personnalité mais également d'une façon de vivre euh, particulière de ce personnage mais également euh, de ce début de XXe siècle et c'est également un espace qui est complémentaire du musée de l'école de Nancy ce n'est pas une présentation muséale c'est effectivement euh, la présentation d'une atmosphère, d'une maison et euh, d'une personnalité importante. Alors, un, une opération complexe, donc un environnement euh, assez complexe, une équipe euh, importante. Avec euh, autour de l'architecte mandataire euh, des experts qui permettent de répondre aux enjeux euh, euh, de restauration de l'ensemble de la villa. C'est un bâtiment et sa parcelle qui sont classés au titre des monuments historiques. Donc avec une gouvernance de la part du ministère de la Culture, mais également de comités scientifiques et techniques avec des personnalités qualifiées euh, et bien sûr. Euh, L'accompagnement, euh, la direction, le partenariat et la générosité de Valérie Thomas, conservatrice du musée de l'école de Nancy, euh, avec qui c'est un plaisir de partager euh, ce chantier. Un, un planning assez contraint, mais la maîtrise d'ouvrage, donc la ville de Nancy, a compris assez rapidement qu'il fallait se donner un peu plus de temps euh, sur l'étude, donc un an d'étude, un an de chantier qui se termine. Pour ma part, dans un mois, pour Madame Thomas, dans deux mois, puisqu'on a la mise en place des collections dans la maison. Alors, il a fallu, bien sûr, reconnaître la valeur patrimoniale de la villa et de ses différents éléments pour répondre justement aux enjeux. Ce qui était important, et maintenant, on le confirme à la fin de ce chantier, c'est effectivement la démonstration de l'art dans tout pour tous ces décors euh, c'est un sont des, avec une valeur de technicité euh, de, qui, euh, qui correspond en fait à ces arts appliqués très simples avec des, des techniques assez simples assez courantes mais qui, euh, qui ont été conçues pour être accessibles à tout le monde. Alors, également une période de référence qui avait été déjà identifiée au moment de la restauration des façades et de la couverture, c'est la période qui correspond à l'occupation à de, de, de Louis Majorel dans cette maison, donc de 1901 à sa construction avec Henri Sauvage jusqu'en en 26 à sa mort, puisqu'il y a eu des, des évolutions notables. De cette, de cette maison, pas toujours valorisante. On peut avoir effectivement un jugement sur, sur certaines modifications qu'on peut trouver dommage, mais ça correspond justement au, à la relation que Louis-Majorel entretenait avec cette maison, qui était davantage un support d'expérimentation, mais également on a vu que ça avait servi de décor pour... Pour, euh, comme un showroom en fait pour pour diffuser ses euh, des, des, euh, collections au niveau de ses catalogues euh, et c'est vrai que c'est une euh, enfin j'en parlerai un peu plus tard mais c'est pas une villa qui a été livrée euh, comme la maison Luc euh, une belle villa luxueuse avec euh, toutes les options euh, tout fonctionne on a l'impression que ça c'est elle, elle, elle a eu un premier état 1901 1902 puis en 1906, un autre état, et puis les choses aussi ont été modifiées après 1916, et ça c'était important également de le conserver. Et effectivement, tout au cours du chantier, on s'est rappelé les principes de l'art nouveau, et là encore justement, le point, l'art dans tout, pour tous, c'est pour l'amélioration la, du cadre de vie ça nous, ça nous est, ça a été rappelé à nous à travers ce que l'on a découvert justement dans ce chantier. Alors les intérieurs c'est pas un chantier d'intérieur c'est pas comme un chantier de façade ou de couverture. Euh, déjà il y a une, une intimité euh, qui, se, qui se révèle à nous une façon de vivre donc là on a le plan de la villa Majorelle c'est un plan assez conservateur avec un couloir central qui dessert des pièces on n'est pas du tout dans un plan très innovant comme la maison horta ou la maison tassel euh, on a un génie constructif très relatif c'est-à-dire qu'on a certes un, un, un des premiers planchers béton au rez-de-chaussée, un plancher NBIC, mais après c'est de la construction traditionnelle euh, typique de, des années 1900. Et c'est vrai que bon, moi, je travaille actuellement sur le plan de sauvegarde et de mise en valeur de Strasbourg, et là, euh, au moment là, on est à la même époque que la construction de la Neustadt. Et euh, il y a quand même, enfin, euh, par rapport à Strasbourg, il y a à la Neustadt, il y a vraiment un génie constructif euh, très très pointu qui se met en place, et, et là on a on a quelque chose euh, d'assez, euh, euh, comment dire, euh, pas très innovant, y compris, euh, et, et ça ça rejoint à ce que on, on a parlé des. Du chauffage, par exemple, ou de l'électricité. Bon, ben, on voit que les, les, le moyen de chauffage était, c'était des, des, des foyers ouverts avec un petit appoint de calorifère. Ça veut dire qu'on avait une température à peu près de 16 degrés. On a fait des simulations thermiques. Alors que, par, par exemple, à Strasbourg, on a, on a des poêles avec des, des chaufferies collectives. Enfin, voilà, c'est complètement autre chose. Et puis, euh, et puis aussi, ces, ces décors, ce sont, c'est du second œuvre. Donc c'est des choses qui se déplacent, qui se vendent, qui se changent au gré des modes, euh, qui s'encrassent. Donc on, a, on est sur quelque chose euh, de très fragile. Et là, vous voyez, c'est une, une découverte de chantier. Donc c'est un graffiti, un graffiti de chantier comme on en fait toujours quand on doit, quand on doit expliquer des choses aux ouvriers. Donc là, c'est sur un papier d'après et c'est un, un graffiti de, de, de la tenture entre le vestibule. Et, le, et la cage d'escalier qu'on a fait relever par le service régional de l'inventaire et qu'on a pu déposer et qui est conservé au musée des études approfondies en deux phases c'est ce qu'on a vu hier c'est à dire des recherches en archives sur des périodiques euh, sur un, un corpus aussi de Villa Art Nouveau et euh, un diagnostic pour chaque pièce avec des sondages et des prélèvements et puis vous voyez bon alors euh, des découvertes là le... Oh, je me trompe à chaque fois. Euh, le, le papier peint, le papier peint de la salle à manger donc c'est un petit morceau qui est grand comme mon ongle euh, qu'on a pu retrouver et qui nous a servi euh, de base pour une évocation de ce papier peint et euh, une peinture faux bois sur euh, toutes les boiseries de l'étage donc euh, de la suite euh, de chambre euh, chambre penderie. Euh, Salle de bain de, de, de Louis Majorelle. donc une peinture faux bois de type peint sur une menuiserie en chêne. Donc il y avait vraiment là un, un, une volonté d'avoir ce type de décor. Alors je ne sais plus dans quel sens il faut tenir le truc comme ça. Voilà. Et cette seconde phase d'étude, donc, euh, on a, euh, à partir, on, on a fait des tests de protocoles, des protocoles de restauration, donc, notamment de dévernissage, mais également de nettoyage de pierre, et puis d'autres investigations, et qui nous ont permis de trouver des, les petits décors de, de joints sur, euh, sur les voûtins de la terrasse. Et ça, c'est, c'est impératif de pouvoir faire des protocoles puisque ça a bien sûr un impact sur le délai de chantier et sur son coût. Donc euh, si, euh, ça nous a permis en fait, de maîtriser et le délai et le coût du chantier. Et, et donc à, à, la, à la fin de ces études, effectivement, on, là, on, on, a, euh, on a un peu plus défini la relation que Louis Majorel avait avec cette, sa maison, c'est-à-dire... Euh, pas un objet fini et, et déterminé, mais un support euh, d'expérimentation. Alors, bien sûr, chaque, tous les décors euh, identifient euh, des, des séquences, hein, les séquences domestiques, les séquences de représentation, les séquences de l'intimité, les séquences de service. Donc, ça nous a, cette, cette identification-là, Très clair, nous a permis aussi, dans le cas de manque, de pouvoir, comme un pulse, de pouvoir rétablir en fait euh, la, la logique de chaque, de chaque séquence. Alors, les principales pathologies. Alors, bien sûr, donc ça c'est du courant, de l'usure, de l'ancienneté, euh, un encrassement, un encrassement du euh, suez puisque c'était un, un chauffage par des foyers ouverts. Euh, aux, aux fumées, au rayonnement des radiateurs. Mais ce qui a été beaucoup plus grave, c'est le chauffage inadapté dans la villa. Parce qu'à la mort de Louis Majorel, euh, la villa a été vendue, le parc Loti, donc on a perdu ce, une grande partie de ce, ce beau jardin et de ses vues, euh, depuis la terrasse notamment. Et, euh, et donc des bureaux. Et donc là, on a le, le, toute l'installation de radiateurs a été mise en place dans les années 30. Et donc chauffé 22, euh, voire 26 euh, au niveau des plafonds. C'est au niveau des plafonds qu'on a des toiles marouflées. Donc euh, des boiseries qui se sont euh, desséchées, les supports de toiles marouflées qui se sont tendus. Euh, voilà, donc ça c'est euh, ce qu'on a eu de, de plus grave. Euh, avec une condensation forcément induite au niveau des zones, des zones de choc, choc thermique. Donc là, on a une baie vitrée, là, on a une porte. Et effectivement, voilà. Donc là, c'est la, la peinture murale, donc une peinture à l'huile sur plâtre euh, dans le vestibule. Donc vous voyez, à proximité de la porte côté nord, une porte vitrée. Et euh, avec un radiateur qui a été mis en place dans les a, à partir des années 30 avec une, une température de chauffe assez importante. Donc là une zone de choc thermique, donc un phénomène de condensation sur les plates, des migrations de sel. Euh, le sel qui, qui en migrant et en séchant provoque des pulvérulences, donc fait exploser en fait euh, la, la surface picturale, des soulèvements et, euh, et, et donc des pertes aussi de matière. Au niveau des, des, des toiles marouflées, donc là on avait, un, on avait une dégradation beaucoup plus simple due euh, sur ces toiles-là à des infiltrations qui provenaient d'une terrasse supérieure euh, et, et toutes les autres toiles étaient, étaient plutôt en bon état. On a une petite euh, infest, euh, infestation fongique mais qui a été euh, traitée. Il y a eu également donc ça ce sont des modifications postérieures à la mort de, de Louis Majorel donc euh, vous voyez ce, cette terrasse nord qui a, été, qui a été ouverte au départ à l'origine et très rapidement fermée par Louis-Majorel puisqu'il faisait froid, on était en plein nord. Et euh, euh, à, dans les années 30, donc la construction d'un beau window sur la terrasse pour agrandir la surface de bureau. Et toujours sur cette terrasse nord aussi, la construction d'une allège sur la, une grande baie qui s'ouvre à l'ouest. Fermant, en fait, ce grand châssis vitré qui donnait une perspective sur le parc. Le parti d'intervention, donc, c'est de bien sûr respecter l'esprit du lieu. Après s'en être imprégné petit à petit, reste toujours la réversibilité des interventions, la mémoire des interventions postérieures à la période de référence, mais de façon beaucoup plus légère quand on le pouvait, et tout ce qu'on qu ne pouvait pas restituer pour des raisons techniques ou autres, les évoquer pour justement ne pas préjuger de restauration future et toujours se placer dans un processus non figé. Et bien sûr, on a le, le, le principe aussi fondamental, c'est de préserver la matière d'origine. Alors effectivement, comme on avait un environnement défavorable à la conservation des décors et des collections, il fallait retrouver cet environnement. Donc avec un, un, arriver à une température entre 15 et 18 degrés, une humidité relative aussi conforme, on filtrait également les UV et alors quelque chose de très important, jauger en fait la capacité de fréquentation, notamment pour l'escalier, pour ne pas avoir de risque de dégradation dégradation due aux surfréquentations, puisque c'est une villa qui a été construite pour, pour une famille de trois personnes avec un ou deux domestiques, et, et donc il fallait tout de suite euh, et mettre une barre, hein, une limite justement à la fréquentation euh, euh, de cet escalier. Et puis bien sûr, donc, toutes les, les protections de sécurité. Alors on a, on a tout, tout ces, cet apport technique, forcément, ça apporte des fluides qui n'existaient pas. Donc on a réutilisé euh, pour, pour le passage de ces fluides, pour ne pas euh, avoir à démonter des boiseries, euh, les conduits existants euh, du calorifère. Et alors l'électricien avait tellement peur d'ouvrir des saignées que c'est lui qui a retrouvé euh, un tiers en fait, des conduits dans les murs. Euh, et puis euh, aussi s'inspirer de, de, de ces conduits, de ces, même de ces finitions. Pour apporter justement tout ce dont on avait besoin pour le traitement de l'air des pièces accueillant des collections. Alors, des conditions d'accueil du public que l'on voulait qualitatives, euh, bon, alors tout ce qui est normatif, éclairage, etc. Mais également, ça c'était un, un, un enjeu de que soulignait la ville de Nancy euh, une accessibilité pour les personnes à mobilité réduite au niveau du rez-de-chaussée on a un rez-de-chaussée surélevé et donc ce rez-de-chaussée était inaccessible jusqu'à présent donc on, on place en fait un élévateur un élévateur c'est pas un ascenseur c'est beaucoup moins destructif parce qu'on a pas de on a une petite cuvette de 10 cm dans une trémie existante donc là c'est vraiment le seul ouvrage qu'on a été obligé de démolir c'est cette cet emmarchement en pierre dont on a gardé une marche pour pouvoir la reproduire euh, si on enlève l'élévateur. Et, euh, et on utilise aussi une trémie existante, c'est-à-dire qu'on ne perce aucun plancher et on ne condamne aucune pièce pour justement cette distribution. Ça me paraissait logique de, en fait, moderniser la distribution dans un espace déjà consacré à la distribution. Alors, les plans, je vais peut-être passer un petit peu rapidement. Avec l'installation de la collection, donc également on a réduit au maximum le mobilier muséographique. On a donc la restauration proprement dite, le chantier, on a 11 lots. La restauration du vestibule, donc vous voyez avec la, la porte en ferronnerie, la peinture murale, la porte en ferronnerie qui était peinte, mais sur les photos d'origine, on voit qu'elle brille. Alors, qu'est-ce que c'était que ce revêtement Et on s'est aperçu que c'était de l'étain. Alors, l'étain, c'était, alors c'est ce que disait le ferronnier, c'est la dorure du pauvre. C'est le, le traitement anti-corrosion euh, des arrosoirs. Des... C'est quelque chose de très commun. Et en fait, ça, ça permettait d'avoir cette finition euh, brillante euh, avec une technique très très simple et accessible. Donc, on a reproduit cet étamage, mais pour avoir une meilleure protection à la corrosion, on a d'abord eu un zingage et un étamage. Et cette porte a été remise en place avant-hier. La peinture murale, donc vous voyez décomblement, enfin une consolidation, un refixage des écailles et un, un comblement et une réintégration après du motif. Donc, on, on c'est sûr qu'on a une surface qui n'est pas neuve qui a vraiment des stigmates de dégradation, mais qui est les matières d'origine. La restauration des mosaïques, l'escalier, donc là, on a la même problématique sur les rampants euh, de l'escalier avec ses peintures murales sur plate, donc euh, le, le, même, le, le même type de, euh, de restauration. L'escalier, donc, a été consolidé. Je dois passer rapidement, excusez-moi. On a entièrement euh, déverni euh, Tous ces vernis qui étaient venus, venus postérieurement, euh, on a, grâce à des prélèvements, on savait que la finition d'origine, c'était de la gomme lac. Donc, on a des vernis et on est en train de repasser la gomme lac. Quant à ce qui est des, des, du parement du mur, c'était, on pense, une toile avec un motif de pochoir, comme nous le montre une, une photographie, mais c'est une, une partie très partielle. On a eu de longues discussions avec Madame Thomas et là, on a décidé, en fait, de vu euh, comment dire l'état lacunaire de nos connaissances sur ce parment de faire une évocation donc en fait c'est une peinture à l'huile euh, qui évoque une atmosphère une coloration euh, de la cage d'escalier la restauration de l'escalier alors vous voyez la, la crasse noire donc quand on a dégagé ça c'était une grande surprise c'était quelque chose de très très clair très très clair comme les boiseries. Donc on avait une vision complètement faussée de cette maison sombre, alors que c'était une, une, une villa très claire et, et très gaie, avec des, des, toujours des fonds roses ro rose clairs. Ces peintures murales, donc il y, avait deux, il y avait deux décors, un premier décor qui devait dater donc de la construction de la maison, et un second décor avec les mêmes techniques, les mêmes matériaux, les mêmes motifs de pochoirs qui a dû venir après, on suppose, après le bombardement de 1916. C'est logique, au bout de 10-15 ans, on refait les peintures de sa maison. Donc là, c'est le second décor qui est venu. On a préféré garder les deux décors l'un sur l'autre et avoir juste une fenêtre de dégagement pour montrer qu'il y avait un premier décor et pour ne pas perdre de toute façon deux couches archéologiques. La salle à manger. Donc là, l'enjeu, c'était aussi beaucoup sur le, le revêtement des murs dont on avait trouvé un fragment. Là aussi, trop lacunaire. Donc ça a été une évocation grâce à la peinture à l'huile, à un peintre décorateur, la restauration des peintures. Voilà, le nettoyage de la, de la cheminée qui était très encrassée. Vous voyez, c'était noir. Nettoyage également de la mosaïque de, de l'âtre. Restauration des boiseries. Alors les boiseries aussi une technique quand même assez particulière. Montant et traverses assemblée, mais euh, le reste collé et cloué. Donc impossible de, de déposer sans, euh, sans démolir. Donc on a juste déposé les panneaux qui étaient contre les fenêtres, qui étaient très très dégradés, et on s'est aperçu qu'ils avaient déjà été déposés. Voilà, donc on, a été, on se sentait beaucoup moins coupable. Voilà. Et la restauration de ces peintures, donc, surtout un gros nettoyage. Il y avait un vernis assombrissant. Et euh, les essais de, de peinture à l'huile, de, de glacis à l'huile pour retrouver une teinte, la teinte verte qu'on qu avait trouvée au départ. Euh, dans le salon, donc, un salon qui était clair à l'origine. Euh, comme le prouvaient les stratigraphies, il y a également un écrit de Sauvage euh, qui euh, qu le décrit. Il y avait un motif de pochoir, donc pas suffisamment non plus de données pour le reproduire, ni pour reproduire le motif en gypserie des écoinçons. Donc là, toujours, on a fait un fond comme un fond de tableau, hein, qui permet de recevoir ultérieurement euh, les motifs de pochoir si on peut euh, les retrouver. Et on a restitué les écoinçons des ongles. Si on peut également retrouver ces motifs de gypserie, il suffira de les fixer sur ces écoinçons. La restauration du vitrail et de la fameuse résine, donc le vitrail qui n'est pas d'origine, qui est venu post-1916. On pense, on l'attribue à Jacques Majorel. La terrasse, donc c'est là où il y a le plus de changements. Donc une terrasse avec une pierre qui était peinte, des voûtains peints, une estrade et ce beau window et la baie ouest d'origine, vous voyez, qui était en partie masquée. Donc là, c'était un travail de décapage, de restauration de l'appareil en plâtre avec un badigeon, la restauration également des voûtains. La restauration de la toile d'Henri Royer, qui est une toile avec beaucoup de pâte, très peu de dilution, très blanche aussi. C'est-à-dire qu'en fait, il est parti des blancs qu'il a teintés. La restitution de la menuiserie d'après euh, la photo, donc la menuiserie qui a été mise en place après 1905. Et la restitution également de la baie ouest qui s'ouvre vers le bungalow de chantier, mais ça, ça va, on va ranger ça. Voilà, la dépose du beau window. Alors ça, ça a été une excellente surprise puisqu'en fait la construction de ce beau window avait assez peu abîmé la façade et on sent là qu'il y a eu quand même au moment de la construction de ce beau window une volonté, je pense, des ponts d'être dans la réversibilité. Donc on a pu garder ce fantôme sans que cela, vous voyez, on voit légèrement le, la trace du soleil en partie haute et là la trace euh, de, 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 du rang de briques qui était du beau window. Ça, ça nous permet de garder un fantôme sans euh, brouiller en fait la vision de la façade d'origine. La restauration de la balustrade en grès émaillé signée Bigot et sauvage. Une restauration donc qui a bénéficié d'une technique très intéressante, connue depuis longtemps, le laser. Donc euh, le laser qui est là est en ambulatoire. Ça fait quand même que 4, 4 ans qu'on peut l'avoir euh, en ambulatoire sur un chantier avec une puissance suffisante pour, euh, pour décrasser. Et là, ça permet en fait euh, sur les zones très indurées de ne pas avoir de contact et de, de ne pas abî abîmer les mailles. Et euh, la chambre à coucher, donc là vous voyez, bon, il restait plus grand-chose. Euh, donc plus, plus, plus de vitraux. Euh, le décor faux bois donc recouvert par ces couches. On a fait des tests justement d'enlèvement, euh, de, de restitution, dégagement de ce décor. C'était pas possible parce que le décor était trop adhérent aux couches de, de peinture. Donc on a restitué ce décor sur les couches de peinture existantes. Donc là, le décor est toujours présent sous les couches de peinture et on restitue également les, les vitraux d'un poste, mais dans une teinte neutre puisqu'on n'a pas d'indice du tout sur la couleur. Donc ce faux bois, donc, euh, par notre peintre décorateur, un, un, un test d'un de, 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 poste et euh, une tapisserie, la tapisserie qui, est, qui maintenant est mise en place. Voilà. J'espère que vous viendrez nombreux. Le 15 février, il y aura une présentation plus longue.